Alors qu'est-ce que tu penses, Lou, de mon col rose? C'est la plus vilaine gentille tata vie. Qu'est-ce que tu penses, Lou, qu'est-ce que tu penses de la... le côté rose alors? Ouais, ça va bien. Ça va bien, ça. Ça va bien. J'ai oublié la phrase, c'est quoi? Pardonnez-moi, désolé. Ah, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il ne le dit plus comme avant. Alors, Lou, il ne le dit plus comme avant. Si, je le dis. Sérieusement, qu'est-ce que tu penses de cette journée aujourd'hui? Je sais pas, je suis arrivé sur une nation. Alors, bientôt l'anniversaire des Gilets. Bah, en fait, qu'est-ce que je pense? Il y a vraiment plus de CRS. Bon, il faut dire aussi qu'on est très dispersé. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que comme je l'ai annoncé à la caméra, Rémi, hein, merci encore, toujours, je suis toujours en avance. C'est comme les châteaux au Japon, je l'ai annoncé à l'acte 31. Merci Rémi. Vous allez voir, Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Là, tout va prendre un sens. Vous allez comprendre. Là, je vous donne la clé pour que vous compreniez mon décodeur. Enfin, oui, qu'est-ce que tu disais? Ouais, plus de flics, c'est normal. Là, l'État, en fait, a très peur parce qu'en fait, il y a une louve qui vient d'accoucher. La communication, elle est passée. Il y a un Alsacien qui est en train de passer chez Trump, chez la police. Un Alsacien, on appelle ça un berger allemand. Tu vois, c'est passé. C'est des codes. À vous de comprendre qu'est-ce que c'est le symbole du chien, surtout du berger allemand. Et surtout, en fait, le berger allemand, c'est un berger d'Alsace, concrètement. C'est un chien mi-loup, mi-chien. Voilà, le plus fidèle, c'est le meilleur des chiens. Enfin bon, c'est un message très concret, les garçons. Et une louve donc, vient d'accoucher dans un trou à côté de son tiers de plusieurs petits. Enfin bon, l'information, elle est sortie. Si, ils sont énormes, la police. C'est énorme. Mais je vous ai annoncé quand même beaucoup, beaucoup de choses. Acte 31. Voilà. Non, 31. Ah, oui. Le 15 juin. Ah oui, d'accord. Ben, je vous ai annoncé 139 jours avant de ce qui allait se passer, mais comme d'habitude, on n'écoute pas. Vous jugez les gens. Voilà. Alors, plus que vous jugerez, plus que je ferai le contraire de ce que vous voulez. Tu comprends? Je vais être infernal, alcoolique. Oui, le loup. Le loup. Gainsbourg aujourd'hui serait tué hein, sur la place publique, hein. Comme Coluche, comme les inconnus. Hein. Ça n'existe plus. Vous n'en avez pas marre avec votre dictature de la pensée. Laissez les gens être eux-mêmes. C'est tout. Et déjà, on ne se bat pas contre quelque chose, on se bat pour quelque chose. Comprenez bien, ça a inversé la tendance. Enfin, oui. Si les forces d'ordre sont beaucoup, c'est-à-dire. Ils ont peur, vraiment, ils ont peur, l'État a peur. C'est des gens de vérité qui font peur à l'État. Non, mais l'État a complètement peur, ils sont terrifiés parce qu'ils savent très bien que l'alpha est arrivé. Ils sont en train de sortir, et comme j'ai dit sur la vidéo de Rémi, j'ai dit on n'achète pas l'amour. Ça s'achète pas. Tu comprends? Tu peux être la reine des putes et tout ça, hein. Mais l'amour, ça s'achète pas. C'est des choses qui sortent de ton corps et tout, t'as beau sortir. Ça s'achète pas. Et là, ils sont en train d'acheter, mais malheureusement, l'alpha est là. Seul l'amour est à part. Love, 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 amour.